Alors aujourd'hui, vous nous proposez un portrait, celui d'une jeune maman. Elle habite dans la région de Profondeville et elle se lance dans une activité encore très peu connue chez nous. Oui, donc je vous emmène à la rencontre d'Élodie Wery. Élodie, c'est en quelque sorte une fée du logis, une maman ultra organisée que ses copines, sans doute jalouses secrètement, l'épouse que tous les maris rêvent d'avoir, car avec elle, il y a toujours une chemise lavée et repassée à mettre le matin. Vous avez l'impression que je vous dépeins une personnalité lisse, une ménagère sans ambition? Pas du tout. Élodie Wery est une jeune maman active et effectivement très impliquée dans la vie d'une femme moderne. Mais alors, quel est son secret? Mais son secret, c'est le sens de l'organisation, un don ou en tout cas une rigueur. Et ce sens de l'organisation, eh bien, ça l'a amené à créer son activité professionnelle. Élodie Wery est home organizer, c'est-à-dire qu'elle aide les personnes qu'ils souhaitent à désencombrer leur maison, ensuite à organiser leur habitation et à optimiser les espaces de vie. Alors nous avons suivi Élodie chez une de ses premières clientes et puis nous sommes aussi allés chez elle afin de voir à quoi ressemblait une maison aménagée selon les principes du home organizer. Vous avez l'impression que c'est bien rangé chez vous, Sophie? Je pense. Attendez de voir ce qui va suivre. Et au-delà de ça, c'est aussi toute une réflexion sur la manière eh bien, dont on consomme. Donc effectivement, plus on achète, plus on a besoin de place pour ces choses qu'on doit effectivement ranger. Et donc Élodie propose toute une réflexion sur la société de consommation. Eh bien, on regarde votre reportage, on se retrouve juste après. C'est une maison comme on en voit dans les magazines, trop beau pour être vrai. Et pourtant, dans cette petite maison de ville, vivent un homme, une femme et trois petits-enfants âgés de 18 mois à 3 ans et demi. Dans cette maison, on ne perd pas son temps à chercher ses clés de voiture, une aspirine ou encore la télécommande. Chez Élodie Wery, il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Alors j'ai le don de l'organisation et du rangement parce que c'est dans mon tempérament, que je travaille depuis toujours, mais aussi parce que la vie m'a forcé à un moment donné à mettre toutes les solutions en place pour arriver à organiser ma vie de famille le mieux possible. Et donc c'est un exercice que j'ai fait chez moi, qui a fonctionné, qui m'a beaucoup aidée. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire de même avec d'autres personnes. Élodie a suivi une formation à l'IFAPME qui s'intitulait « Devenir indépendant, pourquoi pas moi ?» C'est là qu'elle a eu le déclic pour créer son activité. On m'a posé la question très simple, « Qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux devenir indépendante, mais dans quoi ?» Et très spontanément, j'ai répondu « Je sais ranger et organiser. » Et la personne m'a dit « Ben voilà, cherche ce qui existe et fais-en ton métier. » Élodie s'est donc lancée dans une activité de home organizing, un concept encore peu connu en Belgique, au contraire de la France ou des États-Unis par exemple. Le home organizing, c'est l'art de ranger et d'organiser sa maison afin qu'elle soit plus agréable à vivre. Une tâche qui peut paraître anodine, mais certaines personnes ont réellement besoin d'être coachées dans ce domaine. C'est le cas de Yolande, avec qui Élodie travaille déjà depuis quelques temps. Yolande, qui vit depuis 17 ans dans cette grande maison et qui reconnaît avoir accumulé beaucoup d'objets. Donc j'ai décidé de faire appel à quelqu'un pour ranger et organiser ma maison parce que je voulais changer, éclaircir, rendre ma maison accueillante et me faciliter la vie simplement déjà. Voilà, t'as stocké ici tout ce que tu as. Oui, donc ce que je dois donner, ce que je dois vendre et alors quelques broles pour la décharge. Mais ok. J'ai déjà embarqué beaucoup. Voilà. Super. Mais il y a du changement, dis donc. Moi, je vais être fameuse différemment. Alors, c'est vrai. Visuellement, déjà, ouais. Ton plan de travail est beaucoup plus libre. Donc, il y a plus de place pour cuisiner. Je vois que tu as fait du tri dans tes armoires. Ah oui, quand même. Là, aussi, j'ai pris du temps pour ça. Quand j'ouvrais des armoires, il fallait que je joue d'astuces pour ranger un couvert par-ci ou un petit pot par-là. Et donc, vraiment... c'était nécessaire, je pense. Le rôle d'un home organizer, c'est non seulement d'aider les personnes à optimiser leurs espaces de rangement, mais c'est aussi de les inciter à se désencombrer, à se défaire de toute une série d'objets dont ils n'ont plus aucune utilité et qui pourraient servir à d'autres. Alors le home organizing est un métier très psychologique puisqu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Les gens qui conservent les choses, ils ne les conservent pas pour rien, il y a toujours une raison derrière. Donc moi, mon job, c'est de cerner la personnalité de la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui conserve parce qu'il est collectionneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui conserve parce qu'il est angoissé, sentimental? Donc en fonction de ce que je vais pouvoir percevoir, je travaillerai sur les différents points et j'aiderai la personne à faire le pas. Donc je serai un peu sa petite conscience
silence derrière lui, je lui rappellerai régulièrement qu'on est là pour jeter, pour trier et pas pour passer du temps à ouvrir les caisses, à regarder, à se remémorer tous les souvenirs. Donc j'accélère, en fait, je fais accélérer les choses. Alors, ce qu'on va faire, on va les prendre un par un. Oui. Alors, on ne traîne pas 3 heures sur un foulard, d'accord, d'accord. Le but, c'est pas de te remémorer tous les souvenirs qui sont liés au foulard, c'est de les prendre et de me dire concrètement si tu les mets ou pas. Okay. Ah oui. Pourquoi alors, avoir besoin d'aide pour trier des foulards? La démarche ne se limite pas à cet exemple. Yolande a déjà beaucoup travaillé afin de rendre sa maison plus accueillante. Mais c'est Elodie, la home organizer, qui pointe ce qui pourrait être encore amélioré en accord avec le contrat conclu au début du processus. La première phase de mon travail consiste à arriver avec un regard extérieur chez la personne qui fait appel à moi, de regarder comment est arrangée la maison et surtout être à l'écoute de la cliente donc, ou du client, qu'est-ce qui pose problème, pourquoi ils ont fait appel à moi. Ensuite, lorsque le diagnostic a été posé, je me rends directement chez la personne à une date prévue et je lui prête mes mains pour aider avec toutes les méthodes que je connais et que j'applique à désencombrer, à ranger. Et puis ensuite à réorganiser, donc ça c'est la dernière phase, c'est remettre ce qui a été trié et qui doit être conservé dans les armoires en suivant là aussi des méthodes de rangement logiques. Après le tri des foulards, c'est au tour des papiers, une tâche un peu rébarbative. Alors, avant qu'on commence à trier, oui. Il est important que tu te rappelles qu'un papier qui rentre dans la maison, il a une destination. D'accord. Donc soit tu l'as lu, tu l'utilises plus, tu le jettes. Ouais. Soit tu veux conserver une coordonnée, quelque chose d'important sur le papier. Ouais, alors ça, tu ne gardes pas tout le papier, tu reprends juste la coordonnée dans ton carnet d'adresse, dans ton carnet de notes. Mm-hmm. Et puis tu jettes le papier immédiatement ou tu le classes dans un endroit qui est déjà prévu. Donc, ça n'a l'air de rien, mais trier ses papiers, ça prend du temps. Encore une fois, tout est question d'organisation. Et non, Yolande, ça ne sert à rien de vouloir tout garder. Et en plus, le programme que tu as maintenant, qui est pour l'année 2010-2011, n'est de toute façon plus d'actualité. D'accord. Donc, on est bien d'accord que ce document-là, tu n'as pas gardé. Ce qu'il faut, c'est que tu gardes le nom, le site internet, ok, donc tu le traites et puis tu le jettes. Okay. Quand je vois que c'est éclairci, je me sens plus légère. Ça, c'est clairement vrai. Et quand je peux ranger quelque chose facilement, eh bien, c'est vraiment très agréable. Donc, ce sont des petits moments que je me redonne en pensant à Elodie pour prendre du plaisir sur ce qui est là. Régulièrement. Donc tu as des points chauds un peu partout dans cette pièce partout. Qui est ta pièce de vie. Oui. Donc il n'y a pas que toi, il y a les enfants aussi qui viennent rajouter des papiers régulièrement. Donc il faut vraiment vous driller par rapport à ça. Parce que sinon, l'ensemble de tes meubles sont toujours surchargés de papiers. C'est ça qui se passe en fait. Depuis il est certain qu'une maison qui est désencombrée, c'est une maison qui est non seulement plus facile à vivre, mais aussi beaucoup plus agréable et plus sereine. Il y a des tas de livres qui ont été écrits là-dessus qui montrent que l'encombrement physique et matériel, c'est un encombrement aussi psychologique. Donc c'est quelque chose qu'on porte, même quand on quitte sa maison et qu'on ferme la porte, le poids de tout ce qu'on possède reste en fait sur nos épaules. Et donc désencombrer, c'est aussi vider sa tête et repartir vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Ce concept de home organizing peut paraître futile, et pourtant, derrière cette activité, c'est toute une réflexion sur la manière dont nous consommons qui peut être mise en avant. Yolande reconnaît avoir acheté et accumulé de nombreux objets sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, après tout ce travail effectué pour tenter de retrouver une maison sereine, elle reconnaît avoir modifié son comportement par rapport à ses achats. Je vais réfléchir à deux fois avant d'acheter autre chose, évidemment, dans le sens où je sais ce que j'ai maintenant, puisque j'en ai refait le tour, et que, mais c'est vrai qu'une chose rentrée doit en faire sortir une autre, et c'est un bon principe. Cette réflexion est bien sûr partagée par Elodie, qui depuis quelque temps a complètement revu sa manière de consommer. Le déclic s'est produit alors que sa petite fille a été hospitalisée et plongée dans un coma artificiel. Une expérience traumatisante pour la jeune maman, qui a dès lors tout remis en question. Je me suis retrouvée nez à nez avec cette situation, plongée dans le silence complet, dans l'attente. Et là, j'ai compris qu'il était temps que je remette un petit peu les pendules à l'heure. J'ai fait redéfiler tout ce qui s'était passé les années précédentes, les choix que j'avais faits. Et je me suis dit, voilà, maintenant, ça, je ne veux plus faire, mais je veux aller vers ça. Je ne voulais absolument plus courir après le temps et ne pas avoir la possibilité de m'arrêter et de faire les choses intelligemment et après réflexion. Tout s'est enchaîné très vite, mes études, mes différents jobs. J'avais accepté un tas de choses sans vraiment réfléchir. Et là,
J'avais envie de pouvoir me consacrer d'abord, en priorité, à ma famille, aux enfants, faire un métier que j'aime et avoir le temps de réfléchir aussi à ma manière de consommer. Parce que quand on est tout le temps dans l'urgence et tout le temps dans des semaines qui n'en finissent pas, des journées qui n'en finissent pas, ben on n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'on achète, à notre manière de consommer. Donc je voulais revenir en arrière, me poser et fonctionner autrement. Cela a été le début d'attitudes de consommation tout à fait différentes. Fini d'acheter sans réfléchir. Fini aussi de dépenser une fortune en achetant que du neuf. Élodie s'est tournée vers la seconde main et y a trouvé une grande satisfaction. Cette philosophie de vie lui convient aujourd'hui parfaitement. J'ai l'impression, quand on parle de mode de consommation parallèle ou différent, c'est qu'on est très vite mis dans une case, tout ce qui est simplicité volontaire, etc., qui est l'extrême. Moi, je me trouve simplement dans une situation qui, à un moment donné, m'a obligée à réfléchir à mon mode de dépense. J'ai perdu mon salaire et en même temps, j'ai eu 2-3 enfants très rapprochés. Mais il faut bien trouver un point d'équilibre entre tout ça. Donc, on n'allait pas revendre la maison, on n'allait pas revendre la voiture. On avait besoin de ces éléments pour notre vie, notre confort de vie. Et donc j'ai trouvé une solution alternative. Donc c'est vraiment, oui, une solution intermédiaire entre je consomme, je réfléchis pas, j'ai de l'argent et je le claque bêtement et je ne veux plus rien utiliser comme outil qui est mis à notre disposition. Je ne saurais pas vivre en 2012 avec 3 enfants sans un certain confort. Élodie a créé son métier de home organizer pour avoir un job qui correspond à ses objectifs de vie. C'est sa manière à elle d'essayer de contribuer au changement des mentalités dans notre société. Voilà, alors tout cela a un coût évidemment. Oui, bien sûr. Donc, il faut compter en moyenne 75 euros de l'heure. Alors après, ça dépend de ce que le client souhaite. S'il a besoin d'uniquement quelques conseils, eh bien, la facture ne sera pas très élevée. En revanche, si c'est tout un suivi qui s'étale sur du long terme et le fait d'avoir la présence d'Élodie chez soi, eh bien, voilà, ça, la facture va s'élever davantage. Alors, est-ce qu'il y a une réelle demande pour ce genre de choses chez nous? Est-ce que le Belge a besoin de ça, vraiment? C'est encore difficile à chiffrer, évidemment, parce que c'est une activité qui démarre en Belgique. En France, on parle de home organizing depuis le début des années 2000. C'est d'ailleurs à Paris qu'Élodie a suivi sa formation. En France, il semblerait qu'il y ait une demande. Donc chez nous, on verra bien, mais c'est clair que c'est quelque chose qui démarre, en tout cas chez nous. Eh bien voilà, merci beaucoup Lucie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt.